Les jaloux vont maigrir. Ils vont mourir avec les petits yeux comme pour le maquereau. Ils ont cru qu'ils allaient me bloquer. Je viens de donner 15 000 à la jolie, la ravissante Kiki. Je serai à l'honneur de l'anniversaire. Oh, yeah. Donc non seulement tu as mon argent et en plus tu m'insultes, tu vas alors me remettre ça. Attends, j'ai ton argent combien? Les 2500. Alors j'ai dit qu'il va remettre, je vais remettre, il n'est pas encore. Mon argent. Je n'ai pas encore. Tu as seulement l'argent pour donner à la prostituée. Attends. C'est Kiki que tu appelles la prostituée? Donne-moi mon argent, sinon je te déshabille maintenant. Attends. Mon argent. Mon argent. Si tu veux, prends-moi tout, mais laisse Kiki. Hein. Ouais, toi aussi. Est-ce que tu as besoin du billet? Quelque chose qui est ta part, tu vas faire quoi avec le billet? Moi-même, je savais que c'était ma fête, tu vois. Mais comme il y a trop de détracteurs, ils ont fait ce que j'ai commencé à douter. Tu vois, c'est pourquoi je te... Mais je sais que c'est ma fête. Des mini-jupes, les fermetures des aiguises réveillées, les plastiques biodégradables et Ebola. Aujourd'hui, c'est Boko Haram. Tu entres dans un bar, on te parle de Boko Haram. Tu veux voyager... Maman, France, l'histoire qu'on fait parce qu'on exige les talents, là, je suis pas très d'accord, hein. Déjà que j'ai acheté le cadeau, moi je suis sortie manger, boire, sincèrement, moi je vais Ndjoka. Toi tu es seulement sortie pour Ndjoka ou bien pour manger? Moi je suis sortie me faire voir. Ok. Je vais m'acheter une nouvelle talon uniquement pour ça. J'ai emballé rien que pour ça. J'espère que je vais trouver mon dossier là-bas. En tout cas, c'est quand même Kiki donc... Elle a dit que c'est quoi? C'est mon incroyable quoi? Mon incroyable anniversaire. On verra. J'ai appris qu'elle a invité plusieurs gars. Donc, je vais pas mal faire de m'habiller ainsi. Bon, je vais trouver ma part. Mon inquiétude, c'est qu'il y ait de la bagarre, la bagarre. Moi, il y a la babouche. Ça ne va pas, je vais porter. Ouais, toi là, tu es pas sérieuse. En tout cas, moi, je suis seulement là pour filmer. Ton téléphone est bien chargé. À 100%. Ok, on va filmer Facebook. Est-ce que... Amouf, laissez ça. C'est parce que je cherchais l'agent du bailleur que je ne peux plus citer mes relations. Bati Fosso, El Presidente. Mon producteur Guénan est bé. Abraham du bureau des transports, Aladji le Loanou, Abdoulaye Sadou, le super... Vigile, tes nuits est bien exigé. Je ne veux pas les choses que j'ai souvent l'habitude d'entendre. C'était ta soeur, c'était ta cousine, elle m'a dit que ici là, si tu n'as pas le billet, tu n'es pas bien habillé, tu n'entres pas chez moi. J'espère que je me fais comprendre. Solo, comment tu me trouves? Mais tu es super avec ça, mon Dieu. Non, tu sais, je n'ai pas envie de baisser mon charisme même un peu. Hein, ouais. Parce que je sais que les copines de Kiki, comme elles savent que je suis un laveur à la laverie, là, je suis ce qui a manqué de respect qui s'installe. C'est vrai. Je me mets comme ça pour que les filles comprennent que quand je décide de mettre mon 31. Ah non, il n'y a pas marché. Pas solo. Mais Black, attends, mais comment tu me trouves toi-même? Mais est-ce que tu sais quand tu es d'abord sorti au couloir là? J'ai cru que j'avais affaire à un notable. Mais non, c'est bien. Non, parce qu'il va falloir que Kiki et ses copines là comprennent que je ne suis pas n'importe qui. Je ne marche pas avec n'importe quelle personnalité. Oui, parce qu'elles vont comprendre que je ne marche pas avec les petits notables qui sont au village là, qui notent les tables. Ma part des notables notent que les bancs. Fais comme ça, Black. C'est nous les responsables là. Mais vrai, tu ne lances pas. C'est vraiment pour nous. Attends, mais Black. Attends, mais il y a même le vigile sur ça. Toi, tu crois que tu pars où? Mais j'ai dit que j'organise une fête pour ma fiancée. Tu crois que c'est n'importe quoi, Pasolo? Non, là, tu as raison. Oh. Tu as raison, Black. Mais dis-moi, où sont nos guides? On va entrer comment? Il y a des moments où je me demande si tu as même le niveau pour marcher avec moi. Non, parce que je t'ai dit que la fête, c'est la fête de ma fiancée, ma propre fiancée. Oh. Tu me demandes le billet. Pardon, excusez-moi. Donc, j'organise ma propre fête et on me bloque. Non, on peut pas, on peut pas. Alors, viens pas, dis donc. Oh, parfait, vous allez où? Tu demandes aux qui vont où?
C'est à nous que tu demandes où on va. Au financeur de la fête. Je peux avoir vos billets. Il sait pas qui travaille pour moi. Hein. Ah, tu travailles pour lui. Monsieur. Toi, qu'est-ce qu'il te plaît? Sans billets d'invitation, vous n'entrez pas. Tenu et bien exigé. Qui a dit? C'est la fête de ma fiancée qu'on a dit. Qui a dit? Sa fiancée, Kiki. C'est moi qui organise tout ce que tu vois là. Tout ça, c'est moi. C'est mon financement. Eric, on a dit que bien. Qui a dit? Qui a dit en dehors de lui? On n'a pas invité les comédiens ici. On vous dit tenue et bien exigé. Regardez comment vous êtes habillés. Vous êtes là comme des lépreux. Attends. Et qui sont les comédiens? Là, tu commences à aller un peu. Ça commence à devenir. Tu me méfies, hein? Oui, parce que là, ce n'est plus respectueux. Hein? Oui. Tu as vu les comédiens? Si j'appelle ma fiancée, elle sort là. Tu vas partir, hein? Non, tu même quand on te gagne, tu ne vas pas même te garder, après on va plus te garder. Hein. Tu racontes quoi? Ouais. Appelle Blanc. Non, appelle. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Le silence, si je réponds. Appelle Kiki. Va comme ça avant d'appeler. Monte. Montez. Allons-y. Non, viens. Monte comme ça. Tu sais que les gens qui ont échoué dans leur vie, ils pensent que nous qui avons réussi dans notre vie, nous sommes responsables de l'échec. Appelle Blanc. Appelle. Moi, je ne veux même pas aller. Appelle Kiki. Hey, tu m'envoies au répondeur. Ah, au répondeur? Non, tiens, c'est au réseau. Ouais, c'est le réseau. Hey, deux fois le répondeur. Appelle avec le numéro là. Attends, j'appelle sur son numéro aussi. Où? Au répondeur. Hey, Black. Non, c'est sûr. On t'a pas envoyé sur la liste noire par hasard? Non, toi aussi. Hey, envoyez qui? C'est sûr que son téléphone, comme tu sais que les jours de fête comme ça là, elle a été sollicitée, on l'appelle, tout, les gens qui veulent livrer la boisson, les gens qui veulent apporter la nourriture, les gens, les invités, c'est sûr que c'est ça. Mais ton numéro devrait être prioritaire, Kiki, Black. Kiki ne peut pas me faire ça. Kiki ne peut pas faire ça. Ah, bon. J'espère seulement que c'est un peu un piège. Donne-moi un peu ton téléphone. Je vais essayer ton téléphone. Compose, Black. Appelle. Ouais, toi, si tu n'as pas trop pressé comme ça. Oui, appelle Black. Hé, hey, ça sonne. Je t'ai dit. Allô, Kiki? Mais c'est quel comportement ça? C'est quelle manière ça? Mais tu fais un énigme, n'importe quoi, me retire devant la salle. Un d'arrête. Des gens qui dans une vie normale, ils ne peuvent même pas marcher sur mon chemin quand je marche. Un vaurien. Que quoi? Qui me dit que c'est lui que si j'ai le billet, je donne, j'entre, à défaut, je rentre chez moi. Ah, ça veut dire quoi? Qui, allô? Allô? On va raccrocher. Hey, Barcelone. Tu vois ce qu'elle te disait, non? Tu vois? Bon, vous avez compris. Sans billet, vous ne pouvez pas entrer. Mon frère, on est des hommes. La situation que nous sommes en train de vivre là, toi-même, tu peux vivre pareil. Oui. Donc, essaye un peu d'être compréhensif. Sans billet, vous ne pouvez pas entrer. Mon frère, on ne peut pas rentrer. C'est que, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas. Il a investi. Mais tu parles de quoi? C'est moi qui ai réussi tout ça. Hein? C'est mon investissement. Alors, on va entrer, Hoha. Mon frère, on va rentrer. Je pense que vous voulez traverser la ligne rouge. Hein? Même la fête. Fête, on va franchir. Tu parles de quoi? Attends, on va rentrer ici. C'est que tu as voulu nous tuer. Non, tu nous. Tu nous. On va entrer. Tu nous. On va entrer. Voilà. Mais... Chou, Macaro, s'il te plaît. Hey, Chou. Pourquoi il y a beaucoup de bruit comme ça? C'est ces deux guignols qui font des bruits. Macaro, rappé. Hé, ma petite chef de Bamena, c'est moi. Black, où est ton chéri? Black. Peut-être parce que tu es trop chaud qu'elle ne te remarque pas. Hein. Je veux quoi, comment? Mais après un investissement pareil, comment tu me parles? Tout ce que j'ai investi pour la fête, oh, Seigneur, il fait même des bruits alors que Paul est à l'intérieur. Hey! Donc j'ai un peu à l'intérieur, Paul. C'est tu prends gigolo, ça. Donc tu prends Paul pour me gigoliser alors, c'est ça? Tu as le gros cœur, araignée. Ich. Tu sais quoi? On va gâter la fête ici. Il va sortir ici. Oh. On va ton Paul. Il dit que ton Paul va sortir ici. On va tout gâter. Donc c'est pour 15 000 que tu bavates comme ça là. Ah donc pour toi 15 000 c'est rien. Tu sais comment moi je souffre pour avoir 15 000? Ok attends je vais aller chercher. Tu ne parles pas, tu ne bouges pas. Je doute de toi désormais. Je ne suis plus sûr de toi. On ne te fait plus confiance. Voilà.
Donne la garantie à papa, je doute de toi désormais. Ouais. D'accord, tiens, j'arrive. Attends, que ça c'est quoi? Attends, mais tu sais combien coûte ce téléphone? Ah, laisse ça. Ça coûte quoi? Ça n'a pas de raison comme papa. Tu me donnes mon air de bouger, ou bien tu complètes autre chose. Ok, attends, alors je vais aller prendre la et je reviens. Je n'attends rien. On veut la attends garantie. Attends là-bas, je viens. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous abuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, concha.